Bonjour, nous sommes ici à l'école David Diop Mendez, ici à la SICAP Mbao. Donc, c'est une grande école de grande renommée qui date depuis des années, donc qui fait de très bons résultats partout où vous demandez à la SICAP, on vous dira pas le contraire sur le travail qui se fait à David Diop Mendez. Moi, je me nomme Madame Badji. Je tiens la classe de CI. Donc, c'est des enfants adorables, quand même, quoi qu'on dise. Et on est en train, donc, de les initier, de leur montrer, donc, la bonne voie, non seulement à travers l'éducation, mais aussi à la discipline, quand même. Moi, j'y tiens également, parce que sans discipline, l'enfant ne peut pas évoluer et prendre le bon chemin. C'est des enfants qui sont en phase de progression par rapport à ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à là. Ils sont en train de progresser petit à petit. C'est la classe de CI, c'est la base. Ce que je peux dire peut-être aux parents, de les suivre à la maison, surtout pour la lecture et l'écriture qui est là, la base et le fondement de toute éducation au CI. Bien. Aujourd'hui, c'est le goûter partagé, c'est la fête, c'est Noël. Donc, c'est une journée vraiment formidable pour les enfants parce que tous les enfants sont heureux depuis ce matin. Ils sont contents avec les décorations qu'ils ont eu à faire ensemble avec leur maîtresse dans les classes. Donc, c'est une journée inoubliable en quelque sorte, si je peux dire ainsi. N'est-ce pas les enfants? Oui. Très bien. Oui. Bonjour, je m'appelle Julien Agouda. J'ai l'âge de 10 ans. Je suis dans l'établissement David Diop Mendez dans la classe de CM1A avec ma maîtresse qui s'appelle Mme Béatrice Mendez. Bonjour, je m'appelle Sonne Fatiba. J'ai l'âge de 9 ans. Je suis dans la classe de CM1A. J'apprends à David Diop Mendez. Ma maîtresse s'appelle Béatrice Mendez. On l'appelle Madame Béa. J'apprécie beaucoup cette école parce que je suis longtemps ici. Je voulais le dire parce que je suis longtemps ici, depuis le CI aux petites sessions jusqu'au CM1. Je suis au CM1 en ce moment. J'apprécie cette école parce qu'elle m'est chère. Je peux y continuer mes études jusqu'à être un grand. Quand on travaille en groupe, c'est très amusant. Et ici, je me suis fait beaucoup de camarades. J'apprécie l'école David Diop Mendez parce que je suis ici depuis le CE2 et j'ai connu des camarades gentils, fiers et forts, intelligentes et ou intelligents. Je suis dans la classe de CM1A. Et les enseignants ou les maîtres ou les maîtresses nous enseignent à être plus fiers, plus intelligents et plus disciplinés ou plus respectueux pour être des ministres, des chefs d'entreprise ou des militaires. Je les trouve parfaites. Je trouve les relations mémorables et j'ai des souvenirs d'enfance ici. Noël.
mon école. J'aime mon école. Elle m'a tout donné. Grâce à elle, je sais lire et écrire. Ante, je remène ma vie entière. Savannah, at least forward, this is the damn so light out there, so light our hearts. Stand up while the physical unite, find the one mind in heart. So voilà, bonjour, je suis Moussa Ngom, instituteur au Grosse Scolaire David Diop Mendes. Donc, j'ai la classe de CM1B. Voilà, ici, bon, en classe, bon, certes, il y a des jours, c'est un peu difficile. Ce qui est nécessaire maintenant pour le bon déroulement, donc, c'est juste de la patience. Donc, nous avons ici des enfants, donc des élèves de 9 à 10 ans. Donc, il va falloir armer d'une preuve de patience pour bien les faire acquérir donc le programme. C'est ça qui nous pose un peu problème au niveau de leur âge. Mais à part cela, donc, il y a de bons élèves. Donc, il faut juste avoir de la pédagogie. Et maintenant, le reste, ça va venir avec le temps. Donc, tout ce qui les préoccupe, donc, c'est le niveau des élèves. Et c'est ça qui fait la particularité de l'école vis-à-vis des autres écoles.